بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا منا مرض مفسدات نواقل مفدرات، هذا كله أدلة شيء واحد. ما الفائدة من معرفة مفسدات الصيام أو المفدرات؟ ما الفائدة؟ هذا أهم ما يكون في الصيام حتى لا تأتي بمفسد تكون الصيام متاجرا. وهي مفسدة le début du jeûne.
فمجرد ما يؤذن لا تحضر افطر مباشره. نعم il ne fait de bon pour le jeune doit avoir lieu directement lorsque l'adhan a lieu. Alors, il ne doit pas le retarder. Il doit retarder par contre la collation qui précède la journée du jeûne. Il faut donc recommander de précipiter la rupture du jeûne lors de l'appel à prière de Maghrib et de retarder la collation avant le jeûne. يستحب له أن يفطر عليه. Il lui recommandait de manger sur quoi? على رطب. Sur des dates fraîches et mûres. إذا يقدم رطب. Premièrement, il lui recommandait de manger le jeûne avec des dates fraîches et mûres. ما هو رطب? Qu'est-ce que les dates fraîches et mûres? قبل أن يطيب تطيب الثمرة التي تخرج من النخلة للأكل هذه يعني لا تصف للأكل مرة. نعم. الكلاتات مسكين بوس. Avant qu'elle ne soit mûre, elle n'est pas bonne à manger. Elle est amère. وبعد أن تطيب للأكل دون أن تصبح للتخزين فهذا يعني هذه مرحلة تسمى رطب. La date donc lorsqu'elle devient bonne pour la consommation et avant qu'elle ne soit trop vieille pour être conservée, on l'appelle au retard et c'est à ce moment-là qu'elle est la plus bonne. Donc elle est au mieux de son évolution. Et lorsqu'elle est bonne, elle est assez vieille pour plus la conserver, on l'appelle à leur temps date. La tradition du prophète alayhi salatu wa salam est de rompre le jeûne avec des dates fraîches et mûres dans la mort de l'étape intermédiaire. S'il ne trouve pas, ce sera avec des dates donc plus vieilles, celles qui sont bonnes à conserver. S'il ne trouve pas, avec de l'eau. ما لديه من طعام برتقال او تفاح او لحم او مزمن. بس اسمه الطادو بس كذا لانه ما تشوفش دو اتوموبيل دو اورانج دو افلام دو تروز دو جريبا. فان لم يجد لم يكن لديه طعام. سي لا بد من جن. يعني يفي لا تسوم دو اونخ حتى يطبق السنه في تعديل الفطر. افاطا كثير لا تخلصوا بروفيتيك دون لازم تبريسيبيتي لا ركتور دو جن. والسنه في السحور إلى خمسة فتيك دون لكل سوق بريسيد لا جودة دو جيجان أن يتسحر على تمام et donc de prendre une collation avec des dates aussi propices à la conservation. نعم ماذا سحر بالصاع؟ De quoi d'autre qui est recommandé pour le jeûneur؟ فالدعاء الدعاء la vocation وذكر الله évoquer Allah وصلاة التراويح la prière de التراويح أكثر ما يكون جواب الخير في الله.
بمعنى ان الصيام قلنا يذكر بحرف الطاعة. طيب نعم. La preuve de cela, c'est le hadith dans lequel on nous dit que le prophète alayhi salat wa salam était le plus fidèle durant le mois de Ramadan. Car ceci nous rappelle l'état du pauvre, alors on pense à lui et on donne plus durant le mois de Ramadan. Quoi d'autre? Tafsir الصيام هذه الايام لكنها تابعه او بعض العلماء في معنى الصائم. نعم. فتجنيد في
par des actions vertueuses qui sont légiférées durant ces jours-ci, sans préciser que c'est une action à accomplir par elle-même durant ces jours-ci, car il n'y a rien d'authentique à ce sujet-là d'après le prophète Ali Sadus. بقي معنا صيام داود عليه الصلاة والسلام صيام يوم وفطر يوم نعم تعيد جديد donc premièrement jeûner lundi et jeudi الاثنين والخميس والأيام البيض أو ثلاثة أيام كل شهر في أي يوم من الشهر soit trois jours n'importe lesquels durant le mois, même les trois jours dont les nuits contiennent la pleine lune. Six jours, le Shawwal, le mois du Ramadan. Le 9e, 10e et 11e jour du mois de Muharram, on appelle Ashura. Le jour de Daoud, alayhi salam. Le jour de Daoud, alayhi salam. Je mets un jour des صيام شهر محرم وشعبان. جودي للمواد المحرم إلى شعبان. صيام العشر دخل تحت الأعمال الصالحة، لكن لم يكن شيء في تخصيص هذه الأيام الصيام. نعم. فات جودي جوان في premiers jours du mois de Dhulhijja. عرف ما شو يكتب في موقع الإنترنت. عرف هذا الحال. نعم. فات جودي للمواد الجود عرفة، تصبح لي بعض في الميناش. أسباب. صيام ست من شوال. يسجد من شوال. متى تصام؟ كنت تسجد الجن. في شوال. ما شوال. الأول أن تصام بعد العيد، يعني في اليوم الثاني من الصيام، هذا الأول. نعم. La priorité est le mieux est de jeûner ces six jours-là directement après le jour de l'Eid. C'est le but. Car il y a dans cela la précipitation vers le bien. Et on va voir comment on peut retarder le jeûne et être incapable de l'accomplir au moment. سيارة دهن حرام لا شك فيه
شاء الله. والله أعلم. الثاني صيام يوم العيد. فتر جديد يوم العيد. أي عيد؟ عيد الأم. نعم. أهل الإسلام عندهم كم عيد؟ إذا صيام يوم العيد سواء عيد الفطر عيد الأضحى. طيب عيد الفطر يوم وعيد الأضحى يوم العيد وأيام التشريق. إذا يحرم صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ويحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. Il est interdit de jeûner durant le jour de la fête du jeûne, durant le jour de la fête du sacrifice et durant les trois jours qui suivent, qu'on appelle les jours de sacrifice, pour sauf pour le pèlerin qui n'a pas trouvé de quoi faire une offrande de sacrifice ou de ménage. Et il est interdit de jeûner le jour de Arafah, pour celui qui est le ménage. Et il est recommandé pour celui qui est le pèlerinage. pour pouvoir s'acquitter de cette مقدار زكاة الفطر.
La quantité de cette aumône-là, quelle est-elle? Vous ne sentez pas cette zakat-là, mon frère? فتح الله عليه صاع من طعام نعم احسنت لك ان صاع سي 4 fois qu'on peut mettre entre ses mains de nourriture الصاع اربع عمدات نعم طيب صاع من طعام قمح شعير زبيب تمر دي ريزن ساك les dates et aussi ce qu'on a des denrées alimentaires dans le pays dans lequel on est. Du riz. Ta'am, c'est ce qu'on appelle le ta'am. Le couscous. Macarons. Des pâtes. Spaghetti. Non, il y a des choses qui sont très importantes. C'est vrai, on a dit que ce genre de nourriture, elle est valide pour cet homme. Non. Taïe, hal yajouz an tukhraj mal. Non. Est-ce qu'il est autorisé de sortir cet homme-là en argent? Hal masak akhtalaf ya malama. Cette question fait partie de celle dans laquelle les savants ont divergé. Chakou l'alimna rahma ta'ala la yajouz wa dalil al nabi sallallahu alayhi wa sallam qal sa'a min ta'am. Cheikh Rajab Rahmanullah soutient un avis qui ne tolère pas cela, car le prophète alayhi salam islam a déterminé la nature de tout le monde qui peut être la nourriture. S'il existe des surtout des personnes qui ont été convaincues par la vie juridique d'un imam, d'un savant, qui tolèrent parce que cette autre sont en argent. Donc la fatwa du Cheikh Al-Athaymin rahimahullah. Il biha alhamdulillah. Wa illam ya'khudhu akhadhu fatwa al-'alim an yathiqu fi dinihi wa 'ilmihi hadha al-'alim al-imam fa naqulu li hadhihi al-zakah 'ala hadha al-qawl sahih. Na'am. Si vraiment compte la parole du Cheikh Al-Athaymin, tant mieux, alhamdulillah, c'est pas vrai qu'il s'obstine pardon, à suivre l'avis du savant dans lequel il place leur confiance au niveau de sa science et de sa piété. Alors on dira qu'en fonction de la vie sur laquelle il se repose, leur aumône est valide. Quelle est la sagesse dans cette aumône, celle de fitr, de la rupture du jeûne? Quelle est la sagesse? Non. Fatih Allah alayhi. Non. نعم قال إطعام الفقير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤال وكاس من السجس يزيد من الأول المفاة عليه الصلاة والسلام dans laquelle il dit aux gens de dispenser les pauvres de mendier, de demander ce jour-là le jour de la fête de la rupture du jeûne الحكم الثاني deuxième sagesse تعبد لله أدعو الله سبحانه وتعالى ليس لك أن تسأل لماذا أخذ زكاة الفطر تقضي لأنك عبد تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ما بعد ما دي بقوة تبغى تصير زكاة تزكى بس مش من إسكار الله تعالى إيش اللي دور أخذ نفس كيما نقول زكاة الثاني خزنه طهر للصائم من اللغو والمرض دي بيوريفيكاسيون دو جونور de des futilités verbales et dans ses actes qu'il a pu accomplir durant le jeûne. Obligatoirement, le jeûneur dans son jeûne va trouver des choses qui vont amoindrir son jeûne comme parole futile d'un mauvais acte du même genre. Et c'est ce que nous savons. بالاستمرار أول النهار بالبكور لا ضياع أوقات ولا معاصي ولا غيرها لا يوجد إنسان ناجح في حياته يستقبل أول العام بالسهر
وضياع الاموال والمنكرات والمعاصي والشرك وغيرها. نعم، هذا دليل ان هذه الامه امه موثقه تستقبل العيد بصلاه الفجر، بالطاعه، بالصدقه، بالاستغفار. تستقبل اول العيد بالاستغفار اول النهار. دائما الذي لا يسهر ويستقبل السلام بان يستيقظ مبكرا هذا ناجح في حياته. اما الذي يستقبل عيد كذا من السهر والضياع فهو مفاشل. Et cela, mon frère, indique à quel point cette communauté qui est la nôtre a reçu la part d'Allah Ta'ala la réussite, car elle donne à ce jour-là son importance et elle l'accueille et elle va vers lui à travers l'obéissance d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elle se réveille tôt en accomplissant les prières à l'heure et en obéissant à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ceci fait partie des signes qui indiquent la réussite, car toute personne qui va au-devant d'un jour important se prépare à l'avance, se couche tôt, ne va pas veiller et pour rater le moment de ce rendez-vous-là. Donc elle va tout faire en sorte pour que ce jour important, elle va le préparer afin de le passer de la meilleure façon. Quant à la personne qui va passer la nuit en veillant, une personne qui va gâcher ses obligations, ses devoirs, et qui ne va pas donner à un jour important l'importance qui lui est due, c'est une personne qui a échoué, une personne qui est loin de la réussite. Quand est-ce que cette aumône, celle de la rupture du jeûne, doit être sortie? Il y a trois moments qui lui est incomplète. Un moment permis. Un moment recommandé. Et un moment interdit. Qui nous cite ces trois moments-là? جواز واستحباب وتحريم. Recommandé et interdit. وقت الجواز. Le moment autorisé. قبل صلاة العيد. يوم العيد يوم أو يومين. Avant le jour de l'Eid, dans le jour. هذا وقت جواز. Ça c'est le moment autorisé. الثاني وقت استحباب. Deuxième moment recommandé. من صلاة فجر يوم العيد إلى صلاة العيد. De la prière de Fajr du jour de l'Eid jusqu'à la prière de l'Eid. وقت تحريم. Un moment interdit. بعد صلاة العيد. Après la prière de l'Eid. فتح الله عليك. بعدها نذكر ما يتعلق بصلاة التراويح. صلاة التراويح قيام الليل التهجد كل ما يصلى من قيام الليل من العشاء إلى الفجر هذا نسميه تراويح قيام تهجد وما إلى ذلك. نعم. لا ما صلاة التراويح تصلي التراويح. La veillée nocturne ou autre nom qui s'y rapporte, une prière qui est accomplie après l'Isha jusqu'à Fajr, on l'appellera ainsi. Aqal al-Witr, comme on dit. Quel est le minimum d'une prière dans l'Isha? Aqal al-Witr, comme on dit. Religieuse.
واتقوا الله ويعلمكم الله. Craignez Allah et Allah vous enseignera. إذن أقل الكمال ثلاث ركعات. Le minimum au niveau parfait, c'est 3 unités de prière. طيب أكثر الوتر. Le maximum, c'est quoi? 11 unités de prière. الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. Quelles sont les façons qui ont été rapportées d'après le prophète alayhi salam sur l'accomplissement de cette prière-là? Soit il fait deux unités avec la prière et à la fin il finit avec une. Il fait trois unités de prière consécutives qu'il conclura par un tashahhud, pas comme un parole de la vie. Il fait trois unités consécutives qui conclura avec un seul tashahhud. Donc il peut faire aussi 5 unités de prière consécutives où il s'assiera à la fin de la dernière qui conclura avec un seul tashahhud. Il prie 7 unités de prière consécutives dans laquelle il s'arrêtera seulement à la fin pour la conclure avec un tashahhud, un seul tashahhud de 7. يتشهد في الثاني ويسلم ثم يقوم للتاسع ثم إذا انتهى التاسع يجلس ويسلم. Il peut faire 9 unités de prière consécutives qu'il conclura avec 2 tashahhud. Le premier lors de la 8e assise et après laquelle il se relèvera pour faire la 9e unité de prière et enfin la dernière assise dans laquelle il conclura la prière par le tashahhud aussi. Quelle est la récompense promise de celui qui passe la nuit en prière durant le mois de Ramadan? On قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم. طيب ومن قام عناما حتى انصرف كتب له قيام ليل. أحاديث كثيرة. هل تشرع صلاة التراويح جماعة أم لا؟ تشرع. في رمضان فقط. أما في غير رمضان يصح أن تصلى جماعة في غير المساجد إذا كان هذا بغير اتفاق كما صلى ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان باتفاق هذا لا يصح، كان نتواعد هذه الليلة نصلي منها. نعم. Donc concernant la récompense, de nombreux hadiths ont été rapportés sur ce sujet-là, comme celui que le frère a cité, comme quoi celui qui prie le mois du Ramadan avec joie et conviction, ses péchés lui seront pardonnés. Ou encore le hadith concernant celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il quitte l'assemblée, la récompense d'une nuit entière de prière lui sera inscrite. Ensuite, chéri demande est-ce que cette prière, ça nous a donné, on l'a compris en groupe, on l'a compris tout seul. Et on l'a compris en groupe, elle est légiférée en groupe durant le mois de Ramadan. Quant au fait de prier en groupe, cette prière-là, en dehors du mois de Ramadan, ce n'est pas légiféré, sauf dans le cas où ça arrive sans qu'on se mette d'accord pour cela. Sans qu'on se mette d'accord pour cela, comme lorsque les personnes se réunissent au même endroit et que chacune d'entre elles est sur le point de prier et qu'elle prie ensemble sans qu'il ne le projette. Quant à celui qui le projette au préalable, comme à se mettre d'accord pour prier ensemble en dehors du Ramadan, cette prière-là, ce n'est pas légiféré. Quel est le jugement de la retraite spirituelle? Quel est le jugement de la retraite spirituelle? C'est une tradition prophétique. Le prophète a accompli régulièrement, fréquemment. Quand est-ce qu'on accomplit cette retraite spirituelle? Durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Quel est l'intérêt d'accomplir cette retraite spirituelle? Le fait de rechercher activement la nuit du destin. Après quoi il invoque Allah durant cette nuit? Parce qu'il a été raconté. Oh Allah, tu es certes absoluteur, tu absous, tu aimes
d'absoudre, alors absoudre le péché. Il se retire durant les 10 années du Ramadan. Est-ce qu'il lui est permis de se retirer plus des 10 dernières nuits? Non. Si quelqu'un ne peut pas se retirer durant les 10 dernières nuits, il ne peut le faire que durant une ou deux nuits, il peut faire cela, ce n'est pas tout. Où doit-il se retirer? Sur un sensible. Question importante. Dans les mosquées, quelle mosquée? Al-Masjid al-Nabawi tuqam fihi al-Jum'ah wal-Jama'ah. Aula an ya'takif fi masjid tuqam fihi al-Jum'ah hatta la yaqdar al-khuruj bi salat al-Jum'ah. Les mosquées dans lesquelles sera accomplie la prière en groupe ainsi que la prière du vendredi, afin qu'il ne soit pas obligé de devoir sortir de la mosquée dans le cas où la prière du vendredi n'y est pas accomplie pour la faire ailleurs. Quels sont les actes qui ont mis la retraite spirituelle? شيء في التوعية ما ذكرناه إلا تقطع إلى الإفتاء.
Donc si quelqu'un a une question en rapport avec les cours qui ont été donnés aujourd'hui, qu'il les écrive sur nous, même si même de la part des femmes, et qu'il nous le fasse parvenir. Si Cheikh Hafidhahullah il a une connaissance à ce sujet par rapport aux parents précédents, il ne nous en fera pas. Sinon, il nous invite à revenir au salon pour avoir les réponses à ces questions. Et là, barakallah fi, tawajjuh al حتى افتقر بعد المغرب ويكون هناك وقت للاسئله المتعلقه بالدرس. نعم. دونك الله بليس ريفيزي جوسكا لور دو المغرب afin que nous teste concernant les temps qu'on a évoqués ensemble et qu'on puisse répondre aux questions en rapport avec ces cours qu'on a pris aujourd'hui. Alhamdulillah.